Bonjour. J'avais envie de partager ce moment merveilleux que je suis en train de vivre, assise en plein soleil, contre les murs porteurs d'une maison qui a peut-être, je ne sais plus de quand elle date, 1700 quelque chose comme ça. 1400 quelque chose, qui s'appelle Le Présent Simple. Et j'avais envie de vous partager un des livres, la lecture d'un des livres que j'ai trouvé dans la maison. Le livre des contes, le livre des chemins. Le livre des chemins, et en fait ce sont des contes, d'Henri Gougaud. Et le but c'est de jouer avec ce livre. Et moi j'avais une question aujourd'hui. On est entré en Capricorne. Je sais que Pluton se balade encore dans le signe et qu'il va bientôt en finir. Il est là depuis 2008. Il m'a fait beaucoup de misère. Et grâce à ces misères, beaucoup d'apprentissage. Sans ces misères, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Et je m'en réjouis. J'avais envie de partager avec vous ma lecture. Le principe de ce livre, c'est de jouer comme des enfants. Des grands enfants que nous sommes, que je suis en tout cas. J'espère que ceux qui liront et qui écouteront avec moi se sentiront des enfants aussi. Le principe normalement c'est de se servir des petits arbres de vie qui sont là pour choisir au hasard. Et en regardant la table des matières, un conte est venu à mes yeux, qui s'appelle Le Cœur de Jade. Mais avant que je réussisse à le lire, il y en a un autre qui s'est affiché par deux fois en tournant. Donc j'ai compris que c'était celui-ci qu'il fallait que je lise pour que ce soit la meilleure réponse au questionnement que j'avais en moi de me dire... Et après, c'est toujours ma question préférée. Et après, et maintenant, est-ce que ça y est, Pluton est sorti? Faut que je reste vigilante parce que Pluton est là jusqu'à, je crois que c'est le 4 janvier, quelque chose comme ça, un peu avant mon anniversaire. Donc, faut que je résiste encore un peu. Et j'avais envie de vous lire ça. L'essentiel, c'est le numéro 119, 9, 10, 11, c'est déjà un chiffre maître, 1 et 1, 2, le 2, la dualité dans laquelle on est ici, mais aussi le 2 de la différence et le 2 de la complémentarité pour former le 1. Il était jeune, il était roi. Il avait à cœur de bien faire, mais s'estimait trop ignorant pour une charge aussi pesante. C'est bon signe, pensaient les sages. La prudence et l'humilité sont pour un roi des vertus rares. Il peupla donc ses déjeuners, ses jardins, ses salles d'études, de grands savants et d'érudits. Il apprit ainsi auprès d'eux que partout dans le vaste monde des gens, depuis la nuit des temps, pensaient, réfléchissaient, explorait des mystères, cherchait et découvrait des secrets de la vie. Il en fut si ému qu'il proclama ceci, qu'une armée pacifique, c'est beau, une armée pacifique, à travers mers et terres, aille recueillir ses savoirs. Je veux que vienne ici tout ce que l'homme sait. Des émissaires par milliers s'en allèrent donc, chevauchant vers tous les horizons du monde. Près de 15 années s'écoulèrent. Enfin revinrent des grands fleuves, des monts, des steppes, des déserts interminables, des déserts d'interminables caravanes chargées de livres, de rouleaux, de parchemins, d'objets sacrés, d'encyclopédies, d'œuvres peintes. On dut bâtir une cité de musées et de bibliothèques pour accueillir tous ces trésors. Le roi parcourut à cheval ses longues rues, ses places rondes décorées d'antiques statues. Il en fut aussi fier qu'exténué d'avance. Jamais
Il ne pourrait tout lire, tout apprendre, tout méditer. Il demanda donc aux lettrés de rédiger pour chaque science un seul ouvrage explicatif. Après 10 années de labeur, ils remirent au roi la clé d'une salle monumentale aux 4 murs de haut en bas couverts de dossiers manuscrits. Il en fit le tour, lentement. Sa barbe se faisait neigeuse. C'est plus un jeune roi. Je vous mets les sous-titres. J'adore mettre les sous-titres. Comme quand, quand on regarde des séries avec mes filles, l'une ou l'autre, et qu'on ne cesse de commenter les images. Je vous fais pareil. Bah oui, parce que si on joue pas, ça sert à quoi? Sa barbe se faisait neigeuse. Quoique fringant, il se savait sur le versant gris de la vie. Silvermood, le versant gris de la vie. Eh oui, c'est là que je suis. C'est bien pour ça que ce conte m'était destiné. Aujourd'hui, c'est la réponse. Il dit à son conseil des sages. Trop lourd, trop de mots, trop de pages. 1000 ans ne me suffiraient pas pour tout lire et tout méditer. Allez à l'essentiel. Je me contenterai d'un article par science.